Hop, régulateur. Allez. Bonjour à tous, les Titi, c'est Drahi, poète poète, je lance la vidéo, c'est parti. J'essaie, on s'allonge, allez, on dort. Oh putain, les roues, la taille des pneus qu'il a là. Mais c'est pas normal, mais les X5 ils ont pas des pneus comme ça normalement. Ah bon? Bah attends, j'ai jamais vu des X5 avec des pneus comme ça. Ils ont trop bouffé à la cantine ces pneus ou quoi? Qu'est-ce qu'il fout là celle-là? Putain, c'est leur cataracte là. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Fais dodo, fais un petit dodo à l'arrêt de bus. Les freins ils sont chauds mon copain. Oh la vache. Ouais, genre, j'ai piloté, il m'étonne qu'ils soient chauds, je pilote moi. Je me mets debout sur la moto comme si je savais faire de l'enduro, MDR, je roule que sur la route. Putain, ça y est, je roule enfin sur une GS, je roule pas sur une demi-GS. J'ai enfin délesté ma passagère de 130 kg. Gros bâtard, tu sais. Ça, c'est un biker. Avec la croix en haut de sa bécane, merde. Le Titi qui fait un fuck, voyez donc. Ouais. Oh, c'était le H2. Tiens-tu H, tiens-tu 2. Tiens-tu O, tiens-tu H2, Zo. Elle est malade. Tu sais ce que je vais faire maintenant? Pour être sûr qu'on me voit, je vais faire comme ça. Eh oh! Je suis en BM mais je dis bonjour! Eh oh! Dacia Man, je suis un Dacia Man. Dacia Man! Il faut faire attention au freinage. J'ai peur des fantômes qui débarquent sur la route. Du coup, je freine n'importe comment, je suis Dacia Man. Déjà là, on a un petit miroir. Je suis stock! Et non, c'est faux. C'est juste parce que j'ai un blouson en cuir. Maintenant on va faire une blague. Je vais faire genre je suis un voleur. Bonjour, je suis un voleur, je viens pour voler tout votre argent. Ah bah viens de chier. Moi j'ai un angle de braquage de 75 degrés. Je peux aller où je veux, t'inquiète, ça passe. Allez on l'éteint. Chut. Elle veut pas s'éteindre. Elle veut pas s'éteindre. On peut pas l'éteindre en roulant. Allez, c'est validé. Ici la GoPro, je suis un youtubeur moto, après je fais des TikTok en disant être motard c'est passer un pacte avec la mort, mais Nikoumouk en fait toi. Nikoumouk, on passe aucun pacte avec la mort. D'où on passe un pacte avec la mort, n'importe quoi. Moi je passe un pacte avec la vie, hein. Je veux vivre. Non mais ils sont tarés les gens sur le TikTok, hein, vraiment. Attends, on se croirait dans Star Wars, j'adore. Ouais, parce que ça fait même bruit que... J'aimerais bien te toucher les aisselles avec ma langue. Comment il court lui? Qu'est-ce qu'il nous fait? Non, il était en train de faire du foot. Je te jure, il était en train de faire du foot, il shootait dans un caillou. Son cerveau, il a disjoncté. SOS, la GS. Le bouton, il va être mort à force que je l'ouvre comme ça. Tu sais, c'est le bouton où t'es censé jamais trop l'ouvrir. Vraiment, ça fait genre... toc, et là, tu tires. Comme ça. Oh, l'autre en BM derrière là. Oh, il me colle au fiac. Bah, inquiète pas, mon pote, je vais pas accélérer. Hein. Non, mais tu peux faire des droites gauche, hein. Je vais pas accélérer pour autant. Hein. C'est rouge devant, ça sert à rien que tu me fasses ça. Je suis à 54 pour 50. Non, c'est non. De toute façon, déjà, à partir du moment où les mecs sont couchés dans leur bagnole, ça pue du cul. Ça pue du cul. Oh, mais c'est pratique ce truc là. Un range-gant. Tête de mort. Bon, alors attends. Pas de gants. À 130, au lieu de 50, tranquille, pas de pression. Avec une MT-07, tranquille, pas de préjugés, tranquille, pas de préjugés. Yo, c'est nous les stars, bien quoi? Yo, c'est re-nous les stars, bien quoi? Eh, moi, je pèse au moins, ah ouais. Alors, apparemment, on peut rouler à 80 ici, hein, selon la moto. Ma moto, elle dit, on peut rouler à 80. Bon, bah écoute, j'applique. Messieurs les policiers, écoutez, je peux vous mentir, ma moto, elle m'a dit que c'était 80. Car polons-nous dans les bois. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Non, il faut le dire, quand c'est pas drôle, là, c'est... Non, c'est nul. Mais qui ne tente rien n'a pas d'escurmette, comme on dit. Ça a fait le couple de renversement quand je l'ai fait. Ah putain, mais ça le fait de ouf. Ah oui. Ça se voit de ouf, hein. Et je fais vraiment pas exprès du tout, quoi. Je suis pas le petit menteur du village sur ce coup-là. Ouais, je m'en fous, oui, on fait. Ouais, t'sais, moi, tu me donnes un ordre, je le fais. T'es la femme de la force de décision. Moi, tu me dis, mets de la moto dans ma bécane, je le fais, mon copain. Elle y va au rouge. Oh, j'adore. Elle est vraiment, elle, c'est une pépite. Twingo Girl, là, c'est une pépite. Genre, elle s'en fout. Les panneaux n'existent pas. J'avance. Oh, le piéton. Oh là, piéton, là, il peut pas regarder un peu avant de traverser, dire merci au moins, sans déconner. Putain, sérieux, quoi.
saoule les gens à traverser comme ça. Voilà, alors là, cet extrait-là, que je viens de dire, là, j'ai fait exprès, en fait, j'en ai rien à secouer, tu vois. Je savais qu'il allait pas me dire merci, ça, j'en ai rien à secouer. Mais je vais le mettre sur Facebook sans mettre ce que je vous dis là. Et du coup, les gens, ils vont penser que je râle vraiment et ils vont s'énerver de ouf. Et ça va me faire monter ma vidéo en commentaire et en réaction. C'est comme si, tu sais, au collège, quand t'as quelqu'un qui avait un bleu, t'appuyais sur son bleu, ça usait mal et tu continuais. Bah, c'est pareil, je fais pareil, sauf que ça marche tout le temps. À chaque fois que je fais un truc comme ça, ça marche. Parce que je râle pour de faux, mais comme les gens me connaissent pas, ils ont l'impression que je râle pour de vrai. Mais non, je m'en fous. Ça fait de la mousse, ça fait comme la bière. En fait, c'est pas du sans-plomb 95, c'est de la bière 95. Attention, trou, évitement. Truc sur la route, évitement. Fantôme, évitement. Et les gens comme ça, ils voient des fantômes. Ils freinent des fois alors qu'il n'y a rien devant. Genre, c'est une ligne droite, il n'y a rien, mais ouh, petit coup de patin quand même pour être sûr que des fois qu'il y a un fantôme qui passe, tu sais. De toute façon, c'est pas compliqué sur la route. T'as 4 horaires où il faut faire gaffe. Le matin en allant au boulot parce qu'ils sont fatigués, ils ont été dans le cul. Le soir en rentrant parce qu'ils sont excédés, ils roulent comme des cons parce qu'ils ont envie de rentrer chez eux. Le dimanche matin parce que les vieux ils partent à la messe, donc ils sont tout excités de voir Jésus. Et le soir après l'apéro et le repas qui a duré 5 heures parce qu'ils ont un bon coup dans le pif. Et voilà. Allez, c'est parti, c'est génial. On adore, on aime ça, se faire couper la route dans les ronds-points, youhou. Oh là 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 là. Voilà, exemple typique des vieux sur la route. Voilà, voilà. Et après on nous dit faut respecter, faut pas dire que. Bah si, ils font n'importe quoi. En fait, ils réfléchissent pas, hein. C'est mécanique. Ils conduisent, mais c'est mécanique. Ils sont là, ah bah j'y vais, ah bah c'est vert, j'y vais. Ça se coupe la priorité, je m'en fous, j'y vais. Ouais, je vais m'énerver, je vais péter un câble. Oh, regarde, dis la dashcam. Coucou, la dashcam. Ouais, c'est des youtubeurs dashcam, mais. Qu'est-ce qu'il nous a fait, lui? Il nous a fait une virgule. Pauvre, je suis debout sur la moto. Identifie ton motard préféré en commentaire et vois s'il te répond. S'il te répond, c'est vraiment le meilleur. Je me fais tout le temps identifier là-dessus, c'est énorme. Hello, qu'est-ce qu'il a? Il a un souffleur, lui, pour enlever les gouttes de sa BM. Malade. Mec, il a emmené son souffleur dans le coffre pour sécher la BM. Mais ta plaque, elle me bute. FF. Ça fait feu. La petite feu. La petite feu. Attends, je vais descendre de l'autre côté de la moto. Oh, regarde, je descends du mauvais côté de la bécane. J'en ai rien à secouer. J'en ai, je te le dis, j'en ai rien à secouer. Ouais, c'est ça, vas-y, ouais. J'aime être debout sur ma moto. Je vois à l'horizon et je vois au-dessus tout le monde. Je suis un prêtre pêcheur. Il fait un petit peu chaud en ce moment, non? Ouais, il fait chaud en ce moment, monsieur. Merci, super. Merci de nous rafraîchir en plein été. Ça fait du bien. Elle a démarré. Un démarrage automatique. Ouais. C'est une option en plus. Ouais, c'est une option BMW. Vous êtes beau. Merci, vous aussi vous êtes beau. Petite barbichette. Hein? Ou alors la police, le orange. Alors, on passe l'orange. Et